nous gagnons la douleur pour constater, et aussi la déception, que le climat politique là, en d'un pouvoir même, a détérioré de jour en jour. Et un pouvoir qui n'a pas gagné une légitimité constitutionnelle, qui n'a pas gagné une légitimité populaire, il va sortir dans l'élection, le gouvernement n'a pas été ratifié dans le Parlement, déjà il y a des déficits de légitimité, qui t'a dû consolider par action qu'il a fait. Nous préoccupons parce que nous voyons que priorité est ailleurs, nous voyons que pas une sérénité dans le pouvoir pour qu'il fasse face à gros défis gagnés, en particulier l'insécurité. Si nous regardons, la police a travaillé la journée qu'on la nuit, mais on va chercher résultat yo, ou pas joindre, ça veut dire que le problème n'est quelque part d'autre à un niveau beaucoup plus haut que la police. Dans le niveau ça qui priorité mon yo, c'est beaucoup plus des conflits internes, c'est beaucoup plus des confrontations sur des questions qui pas primordiales, sur des questions qui pas importantes pour l'avenir du pays, hein, sur des questions qui liées à chapelle politique des uns et des autres, lutte d'influence entre les uns et les autres. Nous faisons appel à ça pour nous dire responsables politiques, ça y est. Faites attention pour nous dire responsables politiques, ça y est. Il est temps que vous mettez Haïti dans la priorité. Gagnez un pile monde qui n'est pas capable de dormir la caillou, qui n'a qu'à de déplacer, etc. La douleur est insupportable. Et dans le moment ça, monde qui gagne comme un pays, monde qui gagne gouvernance pays, vous devez mettre Haïti au centre de priorité. Nous convaincus que si Haïti est au centre de priorité, vous avez plus sérénité parmi les dirigeants. T'as bien plus unité dans l'action, t'as bien plus résultat pour la population. Et ça fait, nous disons, ramasser le caractère, yo, nous disons, corriger le cahier, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et nous faisons appel non seulement au Conseil présidentiel de transition, le CPT, au Premier ministre Garry Conille et son gouvernement, mais aussi aux parties prenantes, et surtout aux parties prenantes qui t'a signé l'accord du 4 avril, du 3 avril, qui te paraît porter yon espoir que Donéo pour changer. Jusqu'à présent, l'accord n'a pas encore publié dans le journal officiel. Pour quelle raison? Pas quoi une raison valable qui a empêché que vous publiez l'accord là. Et en pile clause dans l'accord pas respecté. Institution de contrôle transition qui pas en place. Alors que gagne l'argent l'État qui a engagé, gagne des actions qui apprend. Le principe dit le pouvoir absolu corrompt absolument. Des pour pouvoir ou pas gagner aucune autre instance cap contrôler ou lion danger même pour vous-même qui sous pouvoir. Donc et pour population c'est pas une garantie que organe de contrôle ça pas là. Non seulement organe de contrôle là pas là, mais nous constatons aussi que pouvoir transition a publié ils ont arrêté pour nommer un conseil électoral qui est incomplet avec 7 membres. Depuis publication conseil ça depuis plusieurs semaines nous pas ouais fait rien pour compléter conseil ça c'est pas ça qui t'a dû fait gagne publication résolution CPTA dernière résolution CPTA qui sorti si une bonne mémoire le 7 ou le 6 de ce mois résolution ça qui portait signature 3 conseillers présidentielle qui indexé pour corruption dans un rapport dont institution publique de contrôle que légalement juridiquement rapport institution ça li fait foi jusqu'à inscription de faux en droit c'est extrêmement important lorsque gagne un rapport qui publié par une institution qui habilité pour le faire ça. Ça ne veut pas dire que moun yo coupable, mais ça veut dire que doué gon tribunal qui statue sous ça. Et tout autant que yo pas inscrit en faux devant une juridiction qui est capable de trancher pour dire non, ce n'est pas ça, yo ta supposé gen la sagesse pour que yo te font camper à côté. Et c'est ça qui fait nous faire appel à partie pour une yo, pour nous dire yo, dans le plus bref délai, font gens réunis. Et ouais, qui j'ai au capoté des corrections à problème ça y aura, parce que c'est des bagages qui de nature
a affaibli structure de transition, hein, a affaibli gouvernance de transition, hein,